Dark Souls, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À Dranglek, les joueurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité Spéciale. Pour les victimes, voici leurs histoires. Ladies and gentlemen, c'est Zach Misrin et aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 4... Attends... 3... Non... 4 de Dark Souls 2. Tiens, pour la peine j'ai fait de la merde. Ah, ça m'a rien apporté. Antisocial, tu perds ton sang en froid. Fuck you! Donc on s'était arrêté à vous savez quoi? On a eu affaire à des gentils petits louveteaux qui nous ont gentiment défoncé la gueule. Rien. Rien à l'horizon. Objet, mais derrière. Ok. Oh, grosse pute! T'envoies de la pyromancie? Technique? Non, mais tu crois que ça n'a pas été formateur pour moi, les... Ah, putain. Non, mais les trois boss, là, les trois sentinelles, elles ont été formateurs pour moi. Objet droit devant. Ok, ma gueule. Ah, bien caché, hein. Oh, une effigie humaine. Oh, une de plus, putain, comme ça m'avait manqué. Oh, petite pute. Je ne pourrai pas tomber dans le vide, hein. Tourner dans le vide. Attends, qu'est-ce qui est marqué? Mordre devant. Sérieusement. Mais il est con de mettre ça, le mec, mordre devant. Bon, on va passer par là. Ok, vous êtes suspendu dans le vide. Je dirai rien. Oh, la grosse blague. Bon, y'a rien. On tire. On va voir ce que ça va nous... Où est-ce que ça va nous mener. Ah bah, rien d'autre. Ah, si. Bon. Ah, petite pute. Connard, va. Tiens, ça t'apprendra. Crâne élégant. Je sens que c'est un piège. Je pense que c'est une fausse épée. Je le pense vraiment que c'est une fausse épée. Ça peut pas être vrai. Je sens à nouveau le boss. À nouveau un boss. Ok. Bon bah. Oh les putes! Oh les putes! Ça c'est des... Ça c'est... Tu vois mon fils, ça c'est de la pute. Tu vois, je m'y attendais même pas, j'ai... Qu'il me fasse ça. Putain, tu penses qu'il y a rien, en fait ils sont au-dessus. Oh, les fils de chien. Dans l'eau, on va voir si vous allez faire les malins, bande de cons.
Ah, grosse pute. Ah, mon œil. Oh, grosse pute. Comment je fais pour te tuer? Non, l'épée de Hyde n'est pas assez forte. Ah, grosse pute. YOLO! Je pensais que ça allait marcher, mais en fait non. J'ai perdu toutes mes âmes, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est plus à 4000 près, quoi. Putain, j'aimerais trop avoir son épée. Hein. BAM! Tu pourras pas passer. Ah, je vais enfin t'affronter. Ouais, t'es très moche, hein. Allez. Monte sur le truc. On va aller affronter d'autres monstres que celui-là. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à Dark Souls 2, et alors? Je suis obligé de faire du rempassage, oui. Ladies and gentlemen, de retour sur Dark Souls 2. Allez, on va... Je sens que vous voulez que j'aille à Majula. Eh bien, on va aller à Majula. Allez, c'est parti. Hey, salut toi. You, stand back. This is the name's... Allez, on tire. C'est tout un chemin. Et voilà. La tour des flammes de Hyde. Alors, je connaissais pas Hyde hein, au départ. Bah, je l'ai vite découvert. D'ailleurs, j'ai son épée. Voyez-vous, et d'un de fini. Putain, ils sont simples. Vous avez beau être géant, vous êtes simple. Ma foi. Putain, vous avez rien à voir avec les sentinelles de ruines. Ok. Grosse pute, tu m'as fait tomber. C'est même pas qui m'a tué, quoi. C'est il m'a fait tomber. Connard, là. Allez. C'est parti. Alors, ici, j'ai pris un anneau qui m'a en fait aidé pour limiter ma perte de vie.
Je préfère que ça soit. Allez! Qu'est-ce que ça va être? Allons voir qu'est-ce qui se cache dans la brume. Je parie que c'est un boss. Oh putain, c'était un boss. Salam alaikum! Tu me dis même pas bonjour? T'es qui toi? T'es où? Ah ah! Je tourne en rond. Les géants, vous pouvez rien faire contre moi. Derrière toi. Oh le con. Aïe. Ah, derrière toi. Oh oh. Bâtard. Allez. Au revoir. Salam alaikum. Baslama. Salut! Et d'un boss. Que ça. Et surtout quand t'as un feu, quoi. Non! Feu allumé. Putain. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, il y a un feu. Feu! Une porte comme ça. Ah, j'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un derrière. Oh putain, oui, il y a quelqu'un. Ah, on utilise la même technique. On emploie la même technique. On emploie la même technique. Il pourra rien nous faire. Il va nous défoncer. Il va nous défoncer. Tiens! Oh! Ah ah! Ah ah! Tu pourras rien faire! Tu pourras rien faire! On danse le Mia! Ici on danse le Mia! Ne l'oublie pas! Ne l'oublie pas! Grosse pute! On danse le Mia ici! On se soigne. Sur Radio Chacal en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club. Voilà. C'est tout de suite. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va danser, toi et moi. Allez, allez. J'ai pas peur de toi.
Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Et on danse dans l'autre sens. Il y aura des t-shirts Marlboro, des autocollants pionniers, des casques. Toi, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. La technique de la danse. On dansait un tango. Première T, première astuce de Dark Souls 2. Kawaii! Tango! YOLO! YOLO swag! YOLO swag! YOLO swag! YOLO swag! J'ai battu le boss, j'ai battu le boss! Attends. J'ai battu le boss! Attends, on va. Pour la peine, je te pète tout! Oh. Ça devait être une église, hein. En tout cas, on pourra remarquer le style batichokilique de. Je crois du diocèse 28. C'est bien ça, hein. Putain, un tour de flamme des chevaliers de Haid. Les mecs, va falloir. J'ai toujours peur qu'il y ait un mécanisme. On sait jamais, hein. Isère, Capis Isère, cathédrale bleue, ok. Oh, putain. Et un feu d'allumé. Feu allumé. Allumez le feu. Bon, bah on va s'arrêter là, les gens. J'espère que ça vous a plu, ces deux petits tangos, avec ces deux boss. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Tout seul, tu peux rien faire contre moi, mais qui peut me stopper? Abonnez-vous à ma chaîne, si c'est pas déjà fait. J'ai une page Facebook, compte Twitter, blablabla. Et oui, à Drankleck, on a ça. Également, si vous vous abonnez à ma chaîne, bah, ça vous permettra de voir la suite des aventures de Dark Souls 2. Et puis, mettez un j'aime et un commentaire si ça vous a plu, hein, bien entendu. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de Dark Souls 2. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, on fait un tango? Vous m'apprenez le tango? Au revoir.